Dame Trotro, Dame Trotro, Trotro rigolo. Ouais. Le tequila là, c'est au Kesslo, le tequila là, ici à fond, garçon. Il est là, fond, garçon. La fin de l'Esquimauve. T'es en train de me laisser, hein, parce que là, on est dans le manche. Hein. Oh, joli. Attends, mais il va dire. Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Hé, garçon! Pour faire quoi? T'es qui là, il vient d'ouvrir, garçon, on se retrouve là-bas. Hé! Doucement, garçon! Ici à gauche, faudra sauter le mur à la fin. Ah, je vois plus rien. Bah attends, je vais pas sortir maintenant. Merde, c'est pas ici. Si, c'est là à gauche. Vas-y, on se disperse ici. Ah, garçon, en pouce. Il est sorti maintenant, c'est bon. Pouce, garçon, pouce. A few moments later. Pas moi, quoi. C'est, je sais pas, on était dans la voiture et là, il y a des gens qui nous chassent. T'as pris peur? Bah, il y a personne qui okay. Vous chasse, ce sont la police, vous avez. Mais non, mais. Bouge pas. Est-ce que vous avez bu quelque chose avant? Oui, monsieur. Ah, oui, vous avez bien compris, monsieur. Ok. Bonjour. Retournez là-bas. On m'a dit que venir vous voir. Non, retournez là-bas. On m'a dit que c'était vous qui avez ma carte d'identité. Bah non, je vous l'ai rendu. C'est votre collègue alors, c'est lui? Mais non, c'est moi, mais je vous l'ai rendu. Ah! Ok. Allez, près de la voiture là-bas. En cellule de dégrisement parce qu'il était pas le conducteur, mais bon, Du coup, pas d'amende pour lui? Si, je l'amenderai pour son état de débriété. Oui, mais du coup, vu qu'il était pas conducteur, il était pas. Il était pas. Ben non, mais ça, je peux. Il est où l'autre personne là? Il est parti par la bonne. A few moments later. Qui vient sur mes genoux, garçon? Monsieur, je vous mets les surflex. Bah dites-moi, vous m'avez laissé. Mais il est là, lui! Bah oui! Oh non, 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 non! Oh là là, bah je sais pas pourquoi des collègues vous en laissent pas rien, mais c'est pas fou ça. Ou un collègue, vous avez déjà pris vos cartes d'identité, etc. ou quoi? Oui. Ok, vous, vous avez fait le test aussi Alcoolémie. Vous étiez négatif? Oui. Ok, et vous n'étiez pas le conducteur? Non, j'ai été passager à mon insu. C'est pour ça qu'on m'a relaissé. Ok, bah ça va. Bah c'est parce que le conducteur, du coup, lui va être arrêté. Et votre collègue, lui, c'est juste pour son état, il va être emmené en service de dégâts. Bah j'ai pas réussi, garçon, c'est pour ça que je me suis mis là, pourquoi pas son conducteur? Aucun sera amendé, mais c'est comme ça, vous êtes au courant. Vous allez dire que je vais faire un délit. Très bien, mais du coup maintenant je suis livré moi-même. Bah écoutez, vous appelez un taxi ou vous, je sais pas si vous connaissez des personnes en ville qui pourraient vous ramener, mais on va vous laisser ici. D'accord, très bien. Et par hasard, vous aurez pas une bouteille d'eau parce que. Justement, je suis dans le même état que vous, du coup je vais devoir aller chercher à boire dans. D'ici 5 minutes. Sinon, mais c'est pas où il y a un magasin tout près là? Vous avez pas de carte sur vous, sur votre GPS et dans votre téléphone? Je vois que tu sors, regarde. Il y a une pas très loin là-bas, genre 500 mètres plus loin, c'est le point. Je vois. Ah, merci de m'avoir aidé. Pourquoi. Attends. 47, pourquoi tu. Il va me libérer, du coup, il m'a tapé. Ouais, mais frère, il y a un moment, il faut arrêter d'être con. Ça fait 3 fois qu'on lui dit de rester à l'intérieur du véhicule et qu'il sort comme un bouffon. Mais il sait que les portes sont fermées de l'intérieur. Bah, apparemment, non, avec sa tête de trou de bol. Tu vas te calmer, Liégeois, avant que je t'encule ta pute là. On va monter chez toi, on va te niquer ta mère. Vas-y, viens, je t'attends, grand.
C'est pas possible. Et quoi, on se relève pas là, garçon? Garçon, si tu veux. On a qu'à dire qu'il est tombé contre le trottoir et puis qu'il est mort en... Non, mais il a glissé contre la ferraille. Il y a des témoins. C'est dommage. Pas grave, si, on démonte les témoins aussi. C'est pas personne. Je suis témoin, mais j'ai besoin d'eau, alors... quand tu as une bouteille d'eau, je dirais rien. Vas-y, venez. Qu'est-ce que c'est? Bah non, mais c'est... Il demande. On le met contre le mur et puis on les a pas. C'est qui me donne une bouteille? Seulement, bougez pas. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes bien aimable. Pas de quoi. Retournez au véhicule, monsieur. Je me retourne contre le véhicule. Oh putain. Allez près du véhicule. Venez. Putain. Vous pareil, monsieur. À qui vous parlez là? L'autre. Non, t'inquiète, lui, il est négatif et il était juste embarqué dans tout ça. Il a rien. Bah pas forcément mauvaise fréquentation, mais c'est plus que. Bon, attendez, garçon, quand il y a la police qui poursuit, c'est pas ouvert, parce qu'avant qu'on dise que ce soit bon. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, du coup, on peut pas ouvrir de l'intérieur. Oh, c'est une voiture magique ici. Bah, c'est normal. Il ressort, je mène. C'est normal. Il ressort, je mène. Ok, garçon. On m'a demandé de sortir, là, garçon. Pardon? Vous allez grimper avec nous, on va aller au Comico. D'accord. Ok. Parce qu'il y a votre collègue qui est embarqué, enfin vos deux collègues sont embarqués. Okay. Et on va débrief tout ça au Comico. Voilà. Ça me va, ça me va. Ok. 47, vas-y, Candy. Pourquoi votre voiture elle va plus? Non, mais non, ils sont full dedans. Par contre, monsieur, pourquoi vous montez avec nous? C'est pas taxi. C'est votre collègue qui m'a dit ça. Au Comico. Bah, le monsieur là, il est pas censé monter avec nous. Bah, non. Si, si. Il a rien fait. Si, si, il était complice, on doit tous aller au Comico dans ce cas. Ah bon ? Je casse, quoi. Mais gros, lui, il a rien fait, il était dedans. Mais oui, mais dans tous les cas, il est complice, tu demanderas 19, c'est dans tous les cas. Pourquoi vous dites tout ça ? Pardon, ça me mangeait les chaînes. 17, tu rigoles vraiment pour rien, hein. 28, fais pas le sérieux, ok? T'aurais rigolé pour moins que ça. Bah non, il y a encore les verres qui sont devant. Oh, je sens que les coups de matraque vont encore voler. Voilà, sors là. Sors. Allez-y. Fatigue. Bonne journée, DLD. Mais non, mais toi, tu restes. Ah ouais, non, ok, t'es... Ah, j'ai poli, hein. Non, je pensais que vous aider, c'est à nous. Ouais, faudrait t'y penser un moment. Ok, bon. Vous avez dit quoi? Il me semble bien. Eh, ça va, excuse-moi. Monsieur. 47, il est énervé. Ok. 47, je lui ai dit que sa mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va attendre 45, il a dit qu'il niquait ta mère. Des toilettes, si vous avez besoin.